parcours ou bien aurais-je choisi un jour un autre chemin de croisière pour réussir dans ma carrière? Me suis-je trompée dans le passé à trop croire en ma destinée? Je peux vivre tous mes rêves d'enfant. Je me sens comme une adolescente. Je rêvais à quand je serai grande. Que suis-je devenue maintenant? Si j'avais encore le temps de changer le cours de ma vie, s'il m'était encore permis de donner du sens à ma vie, de donner du sens. Rémi, on a une course à faire. Je te laisse au bar si tu veux bien. Ok, pas de problème. J'étais enchanté de faire votre connaissance, mon Rémi. Ouais, moi aussi j'ai des souvenirs. Moi aussi j'ai connu l'amour. Je me souviens de son visage, son regard, son sourire. Il y a des regards qui en disent plus long que tous les mots. Et si de ma mémoire, j'ai voulu gommer les mots, les caresses de ton regard sont encore gravées jusque dans ma peau. Ma mémoire n'est pas étanche, tes souvenirs remontent quand je m'y penche. Je frissonne quand j'entends ton rire dans le temps. Ma mémoire n'est pas étanche, tes souvenirs remontent quand je m'y penche. Visage monte à la surface, c'est mon âme qui change de face. Que ton sourire flotte au-dessus du navire, c'est mon cœur qui prend l'eau et qui chavire. Encore ce soir, je sens les caresses de ton regard qui effleure. Thank you.
dessert? Ben pour moi, ce sera un café. Et moi? Oh, un thé vert. Donc, comme je te disais, me voilà déjà divorcée. Oh, mais tu gardes l'appart. Bah, pour l'instant, je sais pas trop. Oh, tu l'aimes encore? Par hasard, dans une salle d'attente. Ah oui, chez le psy.
Comme quoi la vie réserve des surprises. À qui dis-tu? Attends, tu m'avais jamais dit que t'allais voir un psy. Ça, c'est mon jardin secret. Ça fait un bail que t'es pas passé au Nautilus, Alessia. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon accident de voiture m'a bloqué au lit pendant des semaines. Et ça va mieux? Ah, beaucoup mieux, j'ai même repris le boulot. Mais toi, t'as une petite mine. Ouais, ça pourrait aller mieux. Attends, Jeff, là-bas. Y a un souci? Le bar va fermer. Quoi? J'ai déconné, je suis vraiment trop nul. En fait, il a perdu le Nautilus au poker. Charlie! Ah, ça me fait de la peine pour Jeff. Quelle histoire! Tu crois qu'on peut l'aider? En même temps, je vois vraiment pas comment. Alexia! Oui? Pourquoi m'as-tu caché que Charlie était ton amant? Écoute, ça me gêne énormément. Tu l'aimes encore. Mais je ne pouvais pas deviner que c'était ton ex. Oui, c'est vrai. Tu pouvais pas savoir. On vient juste de se retrouver. Mais ça m'a fait un choc. Tu te rappelles de nos virées nocturnes? Oui, c'est ça. Change de sujet. Mais t'as raison. C'était le bon temps. Comment on a fait pour se perdre? Je sais pas. Mais maintenant, ce qui est plus bien. Tu vois, ma grande amie, à toi je la dédie. Cette chanson qui a mis tout mon cœur à rançon. Je repense à tout ce qui a enrichi notre amitié, notre grande complicité. Ces différences qui nous ont tant et tant rapprochés. On s'est trompé. Comme un flambeau enivrant.
d'enfance. Ah oui? Ouais. On passait toujours nos vacances au moulin, la maison de campagne de nos parents. On adorait farfouiller dans les vieilleries du grenier. Une année, on a même invité la fille d'un voisin à se joindre à notre chasse au trésor. Et alors? Oh, on a trouvé des tas de livres, hein, des vieux timbres. Et des boîtes entières de pièces anciennes. Attends, un vrai trésor pour un gamin, dis-moi. Enfin, pour des enfants, oui. Et vous en avez fait quoi? On l'a caché, naturellement. Mais impossible de me rappeler où. C'est drôle, ton histoire. Ça me rappelle les chasses au trésor que je faisais avec Rémi, mon meilleur ami. Il avait 13 ans, et moi 11. Rémi? Bah, c'est le prénom de mon frère. C'est toi? Ça se fête? Allez, c'est ma tournée. Champagne! Suivez-moi. On va quand même pas laisser à ces brigands le plaisir de vider ma canne. Ouais, allez-y sans moi! Attends, je peux pas, je sais pas par où commencer. D'abord, ben, j'ai été viré. Deuxièmement, Alexia m'a plaqué. Et mon plus grave, troisièmement, j'ai perdu une personne qui m'était chère et qui me soutenait dans mes rêves. Toutes mes condoléances. C'est gentil, d'autant qu'elle me manque énormément. Mais vous voyez, c'est la personne qui me soutenait dans ce que je voulais faire et je crois que c'était le déclic pour me lancer. Ah. Et pour vivre cette passion. Vivre mes rêves ou rêver ma vie faire. Le deuil de mes passions, mes envies, c'est oublier de vivre. Ne plus laisser en soi des rêves enfouis. Réaliser ce qu'on attend de la vie. Savoir si ça change. Toi, ton rêveur, tu as le choix des armes. Et même s'il peut t'en coûter tes larmes, il faut toujours y croire. Thank you.
Il a fallu que je connaisse l'enfer au boulot pour comprendre. Comment ça, le travail, c'est plus ta raison de vivre? Pas quand on a été mise au placard. Marival a pris ma place. Je suis devenue un poulet. Oh là là, le temps se couvre. Faudrait vraiment négocier un licenciement. Oh, ils font tout pour me faire démissionner. Harcèlement moral, intimidation, et j'en passe. Un licenciement leur coûterait bien trop cher. Tiens bon, et fais semblant que tout roule pour toi. Ils finiront par cesser de te payer, y'a rien à faire! Il a raison, tu sais, y'a un moyen de les faire craquer. Faut que tu lâches prise! Et mets-toi en roue libre. Ils finiront par te licencier et avec lui. Combien d'épreuves, combien de souffrances, dont la plus grande indifférence, combien de murs d'intolérance, combien d'illusions perdues, combien de compromissions qui tuent avant que la révolte ne eût. Si tu t'épuises, toujours à avancer sans savoir jusqu'où aller. Si tu n'as plus foi en ce que tu fais, ne sachant plus qui tu es, alors mets-toi en roue libre et cesse de poursuivre un idéal de carrière. Fuis cette guerre des nerfs, puis enlève ton masque et vois le monde autour de toi brise enfin tes chaînes et ton sentiment de haine. Une nouvelle page montre enfin ton vrai visage. Refuge serein, on veut te faire jouer. Ce n'est plus drôle. Si tu ne peux plus supporter ces gens trop hypocrites et méprisants, alors mets-toi en roue libre et cesse de poursuivre un idéal de carrière. Fuis cette guerre des nerfs et enlève ton masque et vois le monde autour de toi brise enfin tes chaînes et ton sentiment de haine. Salut la compagnie. Salut mon Rémi. Salut mon frère. Mon père Rémi.